Ok, pour éviter d'avoir des gros problèmes de batterie, on vous propose les batteries au lithium qui sont nettement plus puissantes, plus intéressantes, plus fiables, avec un indicateur de puissance. Donc on va remplacer l'ancienne batterie. Les garagistes aiment bien mettre les anciennes batteries dans les anciennes motos parce qu'ils trouvent que c'est plus cohérent et que les nouvelles batteries lithium ont tendance à être trop puissantes et cramer les circuits à l'intérieur. Alors j'ai pas de preuve de tout ça, mais en attendant, moi ce que je veux c'est qu'elle démarre et c'est le cas. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, on va essayer vraiment à la démarrer et là, elle est un peu collée. Parce que au départ, elle a traîné 4 jours après coup. Et voilà, maintenant c'est bon, après l'avoir secoué, elle est partie.